Bonjour à tous, je m'appelle Juliette Racine et je suis élève en troisième année au gymnase de bien-être du Jura bernois dans le canton de Berne. Mon travail de maturité est basé sur Lorvis. Donc, qui est Lorvis? Lorvis est une femme qui a vécu au siècle passé et qui a marqué l'histoire du féminisme et du journalisme suisse et qui malgré cela reste très méconnue du grand public. Donc le but principal de mon travail de maturité, c'était de faire connaître, d'informer sur la vie de Lorvis et sur le féminisme suisse en général. Donc pour y parvenir, j'ai utilisé la vie de Lorvis un peu comme fil rouge pour passer à travers les différentes époques, les différents mouvements, les différentes étapes du féminisme suisse. Je me suis beaucoup intéressée non seulement à sa vie, mais aussi à son environnement, à l'environnement politique autour d'elle et comment cela a influencé non seulement sa vie, ses idées, mais aussi comment elle exprimait ces dernières. Donc j'ai commencé par faire d'énormes recherches biographiques au travers de justement de biographies, d'écrits qui ont été faits à son sujet, mais aussi un gros travail de contextualisation. Et ensuite j'ai condensé tout cela pour essayer de le rendre le plus facile à lire pour un lecteur qui ne connaîtrait rien au féminisme suisse. Donc une fois que j'avais condensé toutes mes informations, j'ai fait beaucoup de prototypes à taille réduite de mon dépliant, à quoi il allait ressembler. J'ai fait plein de pliages différents et j'ai un peu essayé de réfléchir comment j'allais disposer mes différents éléments, le rythme de narration, etc. Et une fois que j'avais décidé tout ça, j'ai fait des dessins au propre que j'ai ensuite scanné dans des logiciels, j'ai rajouté du texte, j'ai modifié certaines images et ensuite j'ai tout monté pour pouvoir l'imprimer, le découper, le plier et le distribuer.